Reaching different identities is perhaps in my blood. As the daughter of a Turkish father and an American mother, I grew up in a household where Christmas and Eid were equally festive and important. Being a city kid, I never imagined working in agricultural development. At least not until I read about Norman Borlaug, who lived and breathed his mission. Some of his last words were, "Take it to the farmer." Now consider this. What if our collective mental imagery of the farmer and our imagination of what his, her, or their life should look like is shaping the development agenda? And what if we're perpetuating gender inequality? Are we taking it to all the farmers? Gender determines what a farmer has the right to access: land, labor, inputs, information, credit, technology, markets, machinery, and much, much more. Women and girls face systematic barriers to owning and managing farms. Yet they tend to fields planted with varieties they had no control over the development of. Homes, villages, marketplaces are not controlled environments. Every decision, every action that occurs in people's lives happens in a social context. Gender is an inescapable part of this. Hearing similar statements repeatedly is what sparked my own transformation and made me question, how could we completely insulate important life decisions from farmers' lives? We may continue producing varieties that won't get adopted or miss poverty alleviation goals if genetic gains do not translate to equity gains for women and girls. And as much as gender influences the lives of farmers, it influences our lives. If in our own institutions, si dans nos propres institutions et programmes nous continuons de créer des barrières pour les femmes, comment pouvons-nous attendre qu'on élimine les barrières pour les agricultrices? Le message de Dr. Borlaug était parler, adressez-vous aux fermiers, et il est de plus en plus clair que remplir notre vision, il nous faut écouter les voix de ceux que l'on n'entend pas normalement. Pour les entendre, nous devons construire des ponts entre l'amélioration des cultures, le laboratoire et le peuple. Nous avons aussi besoin de regarder à notre intérieur pour nous demander des questions, pour identifier les normes qui dirige notre conception du genre, pour voir les choses autrement. Bienvenue à cette série des séminaires femmes en marque catalysatrice du changement. Nous avons l'interprétation vers l'espagnol, le français et l'hindi. Vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation et choisir la langue que vous avez besoin d'entendre. Donc, vous pouvez aussi nous consulter sur le canal de YouTube de CIMIT et sur les réseaux sociaux, sur le hashtag et la série des séminaires catalysatrices pour le changement. Nous pouvons voir que ceci vous donnera accès à un code Slido pour que vous puissiez faire votre question, poser vos questions lors de la séance des questions et des réponses. Nous ferons maintenant connaissance de la Dr. Haile Toufan, qui dirige le laboratoire de recherche agricole équitable à Cornell, qui ressemble à des chercheurs ayant de l'expérience. Et lors de conversation avec Naila Kouachi, qui est directrice moléculaire pour le programme chez CIMIT. Donc, je remercie la directrice générale de CIMIT qui fera l'inauguration de cette manifestation initiale et nous présentera Alec Toufan. Merci Isabelle, bonjour, bon après-midi, bonjour à toutes et à tous, tout dépendant d'où vous vous trouvez. Donc, bienvenue à cette séance des catalysatrices du changement. Ceci est le début d'une conversation, d'une série de conversations, et nous avons invité des leaders parce que nous souhaitons qu'il y ait un plus grand nombre de leaders en sciences qui soient connus pour que vous rendiez compte que nous pouvons voir que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Donc, nous écouterons les femmes leaders, qu'elles ont été leur vie, leurs leçons et leurs leçons, les leçons apprises et leur trajectoire. Nous avons insisté sur le leadership en dehors de notre organisation et nous assurer que chacune de ces catalysatrices du changement, que leur message soit connu
Et de cette façon, voilà, nous vous présentons des femmes formidables qui font partie de ce prêt de séminaire pour nous faire comprendre, qui nous donnent l'exemple pour soutenir notre mission ici chez Jésuites. Nous avons ici une leader des Jésuites, chercheuse en matière de l'agriculture, de la production du blé. Je souhaite donc la bienvenue à Khale Ayn Taifan, qu'elle est modératrice de la théorie catalysatrice du changement. Elle dirige le laboratoire de recherche agricole équitative à Cornell, qui ressemble à des chercheurs ayant l'expérience en sélection végétale, en économie agricole, en anthropologie, en études de genre et en études scientifiques et des technologiques pour concourir à la théorie et à la pratique de l'amélioration équitable des cultures. Elle étudie comment les processus et les résultats de la recherche agricole peuvent concourir positivement à l'égalité des sexes et à l'inclusion sociale. Grâce à ses recherches visant à développer des méthodes et des approches, elle permet l'analyse du genre dans l'innovation agricole tout en plaidant pour une recherche agricole inclusive en remettant en question le pouvoir et les normes dans l'écosystème de la recherche. Madame Hale occupe des postes de direction dans le cadre de plusieurs projets financés par des subventions, notamment en tant que co-responsable de l'établissement de priorité du laboratoire d'innovation Feed the Future, tant que co-responsable de l'établissement des priorités du laboratoire d'innovation Feed the Future pour la mission d'écriture, chercheuse principale du projet Gender Responsive Researcher. Khale apporte une expérience multidisciplinaire à ses recherches, couvrant des recherches à niveau doctorat sur les interactions moléculaires entre les gens pathogènes et les plantes, la sélection végétale avec le CIMIT, la recherche agricole internationale pour la gestion des programmes de développement et la recherche sur le genre et le développement des capacités à travers l'Afrique subsaharienne. Elle est lauréate 2019 du Norman Borlaug Field Award. Je suis convaincue que vous êtes tout aussi content que moi et de pouvoir connaître les expériences de Khale et Toufan. Je donne la bienvenue à notre présentatrice et lui remercie d'être aujourd'hui parmi nous. Bienvenue, Khale. Merci de l'invitation. Il me fait un plaisir énorme d'être chez CIMIT, c'est comme rentrer chez soi. On me confirme que vous pouvez voir sur votre écran, consulter tous votre écran. Merci, Brian, de cette invitation et j'adore cette série. Je vous félicite de pouvoir organiser cette série intitulée Catalystes pour le changement. Je parlerai maintenant d'une question qui est quelque chose qui m'est très cher et dont je m'occupe tous les jours. J'ai fait une intervention de 20 minutes dans ma trajectoire, dans mon parcours professionnel. Ce sera peut-être moins longtemps parce que vous savez parler de moi pendant 20 minutes, ce n'est pas vraiment nécessaire. Je voudrais surtout insister pour vous faire connaître comment on peut devenir catalytrice du changement. Et que pouvons-nous faire pour qu'il y ait un plus grand nombre de femmes incluses dans ce système? Je parlerai des travaux que nous déployons tant en matière de recherche, mais un peu plus dans un contexte un peu plus ample. Je vous remercie de l'invitation. Donc, avant de vous parler de mon parcours, je vous parlerai un peu de moi-même. Je suis née et j'ai grandi en Turquie. Je m'identifie en tant que féministe. J'adore le travail que j'effectue. Tout ce dont je vous parlerai sera sur décrire à qui je suis, quel était mon parcours et ma trajectoire dans le monde où je me trouve. En ce moment, je suis membre du professorat de chez Cornell. Quel était donc mon parcours de vie? J'ai fait des études à l'Université de Colorado. J'ai étudié en chimie. Je prétendais être vétérinaire, mais parce que ma trajectoire était centrée sur les animaux. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas disséquer des animaux et fait ce genre de travaux. Donc, j'avais des problèmes faisant des travaux. C'était plus facile pour moi de travailler dans le laboratoire avec des plantes qu'avec les animaux. Donc, j'ai ensuite participé à la recherche. J'ai reconnu certaines reconnaissances dans cette activité. Et ensuite,
Ensuite, j'ai fait une maîtrise à l'Université de Boulder, Kansas City, et je commence à faire de la recherche en agriculture. J'ai été dans le laboratoire qui travaille sur le blé et j'ai fait des Durham, j'ai fait des recherches et j'ai appris une série de compétences, j'ai acquis une série de compétences nouvelles. Et disons que là que je suis mise accrochée avec les plantes, l'agriculture. Donc, je suis appris au centre John Ennis et j'ai vu les recherches, les contacts qu'il y avait entre les chercheurs des deux institutions. J'ai consacré 4 à 5 ans à faire des interactions pour étudier les plantes et les pathogènes en travaillant principalement avec le blé. Je suis très agréable. Je me suis rendu compte que mon travail n'était pas au laboratoire. À un moment donné, je me suis rendu compte que je voulais sortir du laboratoire, voir le monde, voir qu'est-ce que je pouvais faire pour effectuer toutes sortes de changements. C'est là que j'ai fait la connaissance de CIMIT dans le programme d'amélioration du blé en Turquie. Donc, j'ai consacré les 2 années qui ont suivi à mon doctorat à l'École pour le développement international, qui est le développement et en même temps se consacre à voir les systèmes de culture et où l'on consacre un temps considérable à l'étude de la production agricole. Je collaborais avec CIMIT. Ceci, je me suis rendu compte à quel point la recherche était quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, je me suis décidé de me consacrer à la recherche en matière d'agriculture. Au Royaume-Uni, j'ai travaillé sur la au Royaume-Uni et j'ai étudié la culture pour la sécurité en Afrique. Je suis devenue ensuite professeure en travaillant sur les projets pour le Yucca et différents projets et le manioc. Et je trouvais si dans la campagne, je préférais travailler dans la campagne sur le terrain qu'au laboratoire. Cette trajectoire vous semble peut-être toute droite, toute linéaire et qu'il semble que pour toute mon intention avait toujours été, c'était comme si j'avais toujours eu l'intention de devenir professeur. Mais mon vrai parcours n'est pas vraiment linéaire. Nous parlons parfois d'à quel point les parcours suivis sont difficiles et il arrive parfois qu'il y arrive des choses tout simplement par hasard et parfois nous nous trompons dans nos décisions. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir professeur. Cependant, j'ai travaillé en recherche appliquée et en recherche dans tous les domaines, dans un domaine plus théorique et ensuite sur le terrain. Nous devons apprendre que la trajectoire d'une trajectoire ne sont jamais linéaire. Elle peut être désordonnée. Nous ne devons pas attendre que nous trouverons toujours dans la même direction et que la trajectoire sera toute droite. Chacune a son propre chemin à suivre et ses propres trajectoires. Tout dépend de ce que l'on souhaite et que selon des et que À droite, nous voyons le logo de l'Université de Cornell. Ceci et ça, ceci, à ma transition, ce que l'on ne voit pas sur le schéma est que j'ai passé de la recherche fondamentale en biologie moléculaire pour travailler en recherche centrée envers les sciences sociales et le genre. Donc, on me demande souvent comment c'est que la biologie moléculaire a fini par travailler sur l'égalité des genres. Ce n'est pas tout à fait logique comme parcours professionnel. Il faut alors réfléchir sur la transition qui a été la mienne. En regardant en arrière, je vois comme expérience chez CIMIT, travaillant sur le terrain, en tant que chercheuse ou en travaillant très fort en tant qu'agricultrice, était la partie de la recherche. Mais chaque fois que nous avions des interactions ou que nous étions sur le terrain en travaillant avec des femmes productrices, j'étais beaucoup plus intéressée à connaître leur histoire personnelle, leurs désirs et leurs besoins que la production de graines proprement dite. J'ai réalisé que ceci était encore bien plus intéressant. Et c'est là qu'a eu lieu mon changement. Donc, je me suis rendu compte que ma passion était pour les droits des femmes. Comment pouvait-on faire en sorte que l'agriculture, qui était ma passion, fût le siège d'une plus grande égalité
entre les femmes. En ce sens, je crois que la situation où je me trouve actuellement, je suis directrice de la laboratoire Equal en recherche en agricole, recherche agricole équitative. Donc, tout est se dirige vers cet objectif de l'égalité des genres dans un contexte social. Nous parlons d'amélioration, mais aussi des semaines, des systèmes de semences en général. Dans ce contexte, dont je parlerai un peu plus loin de tout cela, les praxis d'investigation, de recherche féministe, comment nous abordons la recherche dans une perspective, plus équitative et plus féministe. Donc, je pourrais parler toute la journée pour parler de des recherches que nous faisons, mais je n'approfondirai pas tout à fait sur ce point. Mais en haut, vous pouvez voir ici ce que nous faisons. Faisons au laboratoire et nous faisons aussi des analyses critiques dans une perspective féministe. Qu'est-ce que cela signifie d'être une femme? Comment ce n'est pas la même chose d'être une femme que d'être un homme? Lot of research on that top end, which I won't talk about our research, but I'm going to take a moment to take liberty again of being someone who thinks about research a lot, to touch back, because if we want to enable... qui sont concentrés sur la recherche. Et je crois que si nous prétendons faciliter la catalysation du changement, nous devons être réalistes en ce qui concerne les expériences de tous les gens. Je parlerai des choses dont nous savons probablement tous, mais dont nous ne parlons pas. Sur ce graphique, vous voyez ici ce qu'on appelle le pipeline, ce tuyau qui est rempli de... qui a énormément de fuites et d'orifices partout. Comment est-il possible que des femmes qui commencent une carrière scientifique se perdent cette... Il y a énormément une déclination après leur dégraduation. Un grand nombre d'articles ont été écrits aux États-Unis sur ce phénomène de la déviation de la trajectoire. Mais les catalysatrices du changement existent dans des systèmes sociaux plus anciens. Voilà une instantanée de ce qui arrive aux femmes dans le domaine de la science, dans le domaine scientifique. Lorsque nous ne pensons pas aux femmes en science, dans la science, nous ne pensons pas à des êtres humains, des scientifiques qui existent en dehors des systèmes sociaux. Et cet être scientifique n'est rien d'autre qu'un être humain qui a sa vie personnelle. Nous croyons parfois que les scientifiques sont parfaitement objectifs et nous oublions de qui nous sommes dans la réalité parce que nous sommes des scientifiques. Mais les scientifiques peuvent être très différents. Être scientifique est l'une de tant de combien d'autres identité sociale. Nous pouvons être scientifiques, être femmes, des femmes scientifiques, des scientifiques de race noire. Tout le monde identifie sa trajectoire personnelle et pour chacun, c'est une expérience différente. Nous devons nous rappeler que nous sommes tous tissons cette identité en même temps et tout en nous centrant sur notre identité en tant que homme ou femme scientifique. Nous ne naissons pas comme scientifiques. Nous n'arrivons pas au monde en tant que des chercheuses objectives. Nous appartenons à des structures sociales. Nous faisons partie de familles, de structures productives. Et la façon dont nous voyons le monde et de le monde nous voit est une explication de tout ce qui nous arrive. Donc, ceci comporte un grand nombre de problèmes et aussi davantage. Et vous avez peut-être entendu parler du biaisage implicite qui s'est fait allusion aux stéréotypes inconscients soutenus par les gens. Je peux penser à quelqu'un d'autre conformément à un préjugé que je possède déjà, qui est très enraciné chez moi. Et ceci pourrait avoir des conséquences extrêmement négatives, surtout pour les femmes dans le domaine de la science. Ceci se manifeste de plusieurs façons. C'est un livre très joli, Whistling Vivaldi. Donc, pour siffler Vivaldi, on parle des stéréotypes et comment ceux-ci, cette influence que ceux-ci ont nous. Il y a des études scientifiques sur des femmes scientifiques. On a comparé un groupe de femmes scientifiques à un groupe. On leur a dit, les femmes ne sont pas bonnes en mathématiques. À l'autre groupe, on ne leur a rien dit. Et nous voyons que d'une façon consistante, chaque fois que l'on disait au groupe que les femmes n'étaient pas bonnes en mathématiques, eh bien, ça allait très mal pour elles.
dans cette matière. Donc, ensuite, on appelait ceci le défi des stéréotypes, parce que si nous vraiment dire mathématicienne, mais l'on dit que les femmes ne sont pas bonnes en mathématiques, on ne voudrait pas une femme parmi tant d'autres. Ceci nous paralyse. Donc, nous avons peur. Nous avons peur de ne pas pouvoir relever ce défi. Ceci fait partie d'un processus de procédure psychologique profonde. Donc, pour les femmes qui tentent d'être catalysatrices du changement, c'est alors que nous nous rendons compte de tout cela. Nous nous rendons compte de cela de différentes façons. Nous ne sommes pas un groupe homogène. Chacune a sa religion, son groupe ethnique différent, son orientation sexuelle. Enfin, tout le monde est différent. Kimberly Crackshaw a parlé de l'intersectionnalité, ce qui signifie qu'il y a Elle a défini du côté légal en disant que les femmes aux hommes des systèmes légaux des États-Unis sont discriminées, font l'objet de discrimination. Si l'on est femme, nous sommes sujettes à une double discrimination. Donc, ceci est quelque chose que nous observons également en sciences. Aux États-Unis, que je ne parlerai pas de tout cela en détail, mais ceci nous montre que si une femme asiatique, en sciences, comme on le voit sur la seconde colonne, on voit qu'on attend d'elle qu'elle soit une bonne femme, une bonne mère, avoir des enfants et ne travailler qu'un certain nombre d'heures par jour. Donc, les femmes asiatiques sont sujettes à de plus grandes pressions vers le rôle considéré féminin. Ce qui est terrible est que la plupart des femmes scientifiques de race noire et asiatiques aux États-Unis sont confuses en pensant, on croit souvent qu'elles font partie du personnel en tant que scientifiques. If you're a married father, si on est marié, les femmes, toutes les femmes ont des objectifs professionnels très différents et elles sortent de ce domaine pour des questions sociales, de pression sociale. Je parle ici d'un grand nombre de phénomènes très généraux, mais je voulais aussi vous dire que nous ne disons pas tout cela dans la perspective d'une anecdotique. Il y a beaucoup de recherches sur ce point et je vous donne une vision scientifique mondiale qui est de perspective très respectée parmi les institutions. Au cours des dernières décennies, on a montré la compétence des femmes en matière scientifique. Pour faciliter pour devenir une catalysation vers le changement, il y a plusieurs points d'intervention dans ce domaine. Par exemple, l'embauche. Nous voyons au début de la carrière, parmi les professeurs aux États-Unis, voilà un article comment les élèves sont embauchés. Nous savons que si deux femmes ont un profil identique et l'une de ces deux personnes a un nom féminin et l'autre un nom masculin, les professeurs sont moins susceptibles de contracter, d'embaucher des femmes parce qu'elles les jugent moins compétentes. Et ceci est au début de la carrière. Lorsque nous prétendons commencer à travailler, lorsqu'il s'agit de recevoir des subventionnements, lorsque nous sommes professeurs jeunes, nous sommes sujets à discrimination contre africaines, asiatiques et latino-américaines. Donc, voici les prix de plus grand prestige en matière scientifique. Si les noirs de race noire, une afro-africaine a moins de probabilité de recevoir ce genre de reconnaissance, on croit que ces scientifiques font de travail de recherche orienté vers la collaboration. Et en ce sens, ils s'en trouvent punis pour cela. Donc, il y a 4 ans, ceci est très important, ce que signifie la sécurité dans le domaine du travail. J'ai entendu bien des commentaires sur comment nous allons à la campagne pour recueillir des données. Lorsqu'une femme qui a fait cela, comme un grand nombre d'entre vous, comment pouvons-nous agencer la sécurité de quelqu'un sur le domaine, parce que nous ne sommes pas parfois le seul scientifique de race noire. Avec les élèves de Cornell, nous avons parlé avec l'égalité sur le domaine. Et qu'est-ce que
que faire lorsque nous faisons partie d'une minorité qui travaillons dans le champ, dans les champs. Ceci, voici des données pour vous montrer ici à quel point cette tendance est systématique. On a étudié 600 000 travaux sur la phytoscience, les sciences, les hommes et femmes qui publient des travaux sur la science en matière végétale. Nous voyons que les femmes publient ainsi significativement moins que les hommes. Le facteur d'impact des hommes et des femmes, bien que même que les femmes publient moins, leur gradient d'impact. Oui. Dans le domaine de la phytoscience, dans ce graphique et vous faire connaître le grand nombre de recherches de bonne qualité qui ont été effectuées. C'est un concept très intéressant dont on parle maintenant, le paradoxe de la diversité et l'innovation. Ce signifie que les femmes les personnes qui sont innovatrices et qui établissent des relations entre les concepts qui autrement n'avaient pas été associés, publient maintenant des travaux qui ont un grand impact. Ce sont généralement des personnes d'identité considérées comme minorités. Donc, ce qui est intéressant ici est que bien que les femmes et les personnes blanches sont plus innovatrices en matière de recherche, ils sont significativement moins publiées. Donc, voilà le paradoxe. Les personnes les plus innovatrices sont les moins valorisées. Ceci signifie que si nous sommes femmes scientifiques et nous travaillons en matière d'innovation, ceci signifie que ces limitations n'en sont pas à notre intérieur de nous-mêmes, mais c'est un biaisage de préjugés contre la recherche et le sexe féminin. C'est un travail très intéressant sur la communication. Comment les femmes sont-elles perçues lorsqu'elles communiquent leurs travaux? Voilà des mots clés. Comment les femmes sont considérées comme étant autoritaires, maternelles, ayant peu confiance en soi. Voilà comment on considère les femmes lorsqu'elles font connaître les résultats de leurs recherches. Pour conclure, je veux que vous vous rappeliez que ce n'est pas seulement qu'il y a peu de catalystes du changement parmi les femmes dans le domaine de l'agriculture. Il y a des raisons réelles, des structures et obstacles vers la discrimination qui peuvent obstacler la trajectoire des femmes du côté social. L'activité sociale implique comment nous sommes perçus par les autres, comment elles sont versées. Cette perception peut modifier notre expérience. Si nous sentions que nous n'appartenons pas à tel ou tel endroit, que si nous croyons que nous ne pouvons pas faire tel ou tel travail parce que nous sommes des femmes ou parce que si nous sommes la seule femme dans un groupe d'hommes, ceci a une influence très négative sur notre performance. Il y a des recherches dans ce domaine. Donc, pour faire face à des problèmes scientifiques complexes, ceci s'allie à l'expérience de la vie personnelle et que ceci nous oblige à faire face à des défis stéréotypés. Donc, la question est ce n'est pas là un problème de performance, mais je veux faire vous connaître certaines choses dont je suis en train de me souvenir lorsque je me souviens de ma trajectoire professionnelle. Je me rends compte de à quel point tout ceci change notre façon d'agir. Le problème, ce n'est pas moi ni ma propre perception, mais les gens me considèrent, disent telle ou telle chose de moi, on me perçoit de telle ou telle façon. Moi, je me dis que ce n'est pas mon problème. C'est ce que je me répète au moment difficile. On parle du syndrome de l'imposteur et que le sentiment que nous n'appartenons pas à tel ou tel domaine. C'est quelque chose que je ressens moi-même fréquemment et je ne prétends pas qu'il s'agirait de dire tout simplement je serai sincère. Je serai franche. Voilà quelque chose qui a été démontré en matière de recherche. Avoir un mentor, avoir un soutien est quelque chose de très important. Si on n'a pas quelqu'un qui nous donne un coup de main,
Ceci est quelque chose de très important parce que leur soutien peut représenter énormément pour nous. Mon parcours est peu commun et est assez désordonné à un certain point, mais avec le temps, j'ai appris que le succès est quelque chose que je définirai moi-même parce que chacun définit ce succès d'une façon différente. Donc, il ne faut pas permettre que des barrières ou les limites disciplinaires nous fassent obstacle. Il faut travailler dans la joie pour relever les défis qui se nous présenteront. J'ai eu deux enfants, je me sens coupable parfaitement. Je me sens parfois coupable quant à l'équilibre qui doit exister entre mon travail et ma vie personnelle. Donc, en tant que leader, je tente d'adopter plusieurs des valeurs pour faire en sorte de mettre en œuvre tout ce que signifie. Il faut penser à combien de personnes j'ai aidées au sein de mon groupe. Est-ce que les gens sont contents dans leur travail? Est-ce qu'ils sont d'accord avec la trajectoire qu'ils ont choisie, etc.? Nous tentons vraiment de faire une différence. Et pour conclure, que signifie tout cela? Je vous dirais que donner une plus ample formation aux femmes, que les femmes changent la façon dont elles agissent, que se font telle ou telle chose, n'est pas vraiment là le problème. Les problèmes est agir contre un système discriminatoire. Les femmes marchent sur une voie pierreuse. Donc, voyons clairement ce que nous faisons au sein de notre propre institution. Chez Cornell, je dis que les gens, qu'il faut penser à cela constamment. Il ne faut pas penser aux femmes à faire changer les femmes, mais c'est le système qui doit changer. Lorsque je me fâche, je perds mon contrôle et je veux effectuer tout de suite les changements. Mais plutôt, je dois travailler avec la colère que je ressens pour effectuer ce changement. Donc, je cite ici ce travail d'Alison Berkeley et Rachel. Donc, nous devons travailler conjointement pour combattre le statu quo de la misogynie. Pour travailler en tant que femme dans la science ne devrait pas être un parcours si difficile. Lorsqu'on soutient les femmes leaders et que l'on participe dans les organisations scientifiques d'une façon honorifique, et non seulement, mais aussi professionnelle. Je suis ici à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Khaled, de nous consacrer le temps de participer, de prendre part à ce séminaire. Nous avons certaines questions d'ordre scientifique. Je suis Naila Qureshi. Je travaille au programme global pour le blé. Je suis généticienne moléculaire. Il m'a fait très plaisir d'entendre tes perspectives et tes expériences. Et je me rends compte que tu n'es non seulement une femme scientifique, mais tu joues également un rôle très important pour explorer toutes les procédures d'innovation et comment tous ces facteurs contribuent à l'inclusion sociale. Je veux remercier de l'inspiration et du travail déployé dans cette direction. Donc, j'ai une ou deux questions à te poser. Tu ne peux pas penser à quelque chose sur ces questions, mais j'aimerais que tu y réponses une par une, en abondant sur ces points. Donc, tout d'abord, je voudrais te demander, as-tu développé différents intérêts dans les disciplines scientifiques au cours de ta carrière? Quelles ont été tes sources d'inspiration qui ont été des points d'inflexion dans ta trajectoire et qui t'ont aidé à avancer? Très bonne question. Je considère que la motivation fondamentale pour me centrer pour le genre et l'agriculture provient de l'expérience et de mes curiosités sur la vie des femmes agricultrices. Je me suis rendu que c'était tout aussi important que la science elle-même. J'adore travailler en science, mais je me suis rendu compte que mon rôle n'était pas de générer de l'information, mais je voudrais travailler dans les champs. Je voudrais voir dans une perspective plus ample comment les femmes s'intégraient au système. Voilà comment je ne pouvais pas ignorer tout cela. J'ai dû faire une transition à un moment donné. Ce n'est pas difficile. Ce n'a pas été facile. Donc, j'ai dû commencer à travailler dans des domaines qui ne me satisfaisaient tout à fait. Mais j'ai commencé à faire
mon inspiration a été connaître des personnes qui avaient travaillé dans cette direction. Il y a des chercheuses et des chercheurs qui ont effectué des changements pour de scientifiques à devenir scientifiques sociales, proprement dites. Donc, à Kuhn, donc, Jimmy Nujicki travaille en matière de recherche sur le genre. Le travail de cette femme m'a facilité les choses parce que je me suis rendu compte qu'il était possible d'atteindre mes objectifs. Voilà l'objectif d'ailleurs de tous ces séminaires. Nous pouvons croire que ceci pourrait être le premier exemple dans ce domaine. Je crois qu'il est très important d'avoir quelqu'un comme une source d'inspiration, d'avoir un modèle à suivre. Mais comme tu dis, nous pouvons être notre propre exemple, comme toi-même, tu nous l'as dit. Mais nous avons dit que les femmes en matière de science font face à bien des problèmes. À ton avis, que pourrait-on faire pour renverser ces obstacles auxquels font face les femmes en matière scientifique? On pourrait réfléchir sur les recherches. Donc, il y a un énorme volume d'informations. Le problème n'est pas le manque de connaissances, mais l'inaction. Nous savons quelles sont les solutions. Il y a plusieurs guides de bonnes pratiques, d'exemples à suivre. Et ce que je remarque, c'est que les institutions ne sont pas prêtes à faire ces changements qui sont des changements d'importance. Il ne s'agit pas tout simplement d'embaucher un plus grand nombre de femmes. La recherche nous montre que si l'on amène des femmes, ces femmes s'iront. Le problème n'est pas l'embauche, mais aussi la rétention pour les retenir, pour qu'elles se sentent des domaines difficiles, parce que les femmes doivent se sentir bienvenues. Et nous ne voyons pas qu'il y ait volonté pour avancer vers ces changements. Et ceci en matière d'agriculture est un cas tout particulier, parce que nous faisons un travail différent. L'an passé, nous avons publié un article sur comment pouvoir considérer le concept de masculinité dans l'agriculture. Je ne veux pas vous donner d'exemples particuliers, parce qu'un très grand nombre d'entre eux, il y a énormément de recherches sur les pratiques dans ce domaine. Je parlerai d'un changement qui est audacieux, mais vraiment un changement. Ce n'est pas vraiment manque d'information. Je pense souvent à la question que je vais te poser. Lorsque nous parlons des femmes en matière scientifique, non seulement s'agit-il des femmes, mais qu'ils aient un apport égal, mais à ton avis, est-il mieux de créer une initiative de leadership pour femmes et hommes, ou encore nous centrer seulement sur les femmes en tant que leaders pour pouvoir faire prendre conscience? Une très bonne question, à mon avis. Revenons un peu en arrière. Si nous centrons sur les agriculteurs, il y a eu un changement très important en matière de recherche transformative, en matière de genre et sur l'approche de la masculinité pour l'agriculture du genre. Lorsque nous centrons parfois seulement sur les femmes, ce qui se passait il y a 40 ou 50 ans, mais ça n'a pas marché. Bien souvent, fournir des ressources à les femmes les plaçait dans une position pire encore que celle où elle se trouvait déjà. En agriculture, il faut voir comment nous pouvons modifier les normes sociales au sein de la communauté et non seulement pour voir l'empowerment d'une femme. Nous devons faire en sorte qu'elle ait des générations de femmes qui viennent en tirent profit. Voilà ce qui pourrait changer. Ce qui pourrait avoir une plus grande importance pour modifier de la sorte les pratiques pour le développement. Je ne sais pas si nous faisons la même chose en matière de recherche. Pensez au leadership et la formation d'hommes et de femmes pour qu'elles acquièrent de bonnes qualités de leadership. C'est bien, mais peut-être devrions-nous donner une formation sur un style de leadership inclusif et que ce qui est que tout ce que doit les faire leader, si c'est fallu, si nous pouvons, s'il ne s'agit pas seulement de faire du bruit ou parler plus fort que les autres, nous pourrions peut-être former les femmes dans cette direction, mais ce serait une direction
qui serait pas la plus appropriée. Nous devons parler de concevoir le leadership d'une façon différente. Nous devons former toutes et tous, mais il faut repenser à notre façon de définir un bon leader, une bonne directrice ou une bonne gérante. Il faut voir quelle est notre définition en tant que leader et il faut tenter de comprendre ce que tout ceci signifie précisément et faire en sorte que nous puissions travailler pour le bénéfice de toutes et toutes. Donc, si nous rendons qu'une femme ne joue pas un bon rôle de leadership, nous devons assurer de ne pas juger à partir de notre conceptualisation. Donc, elle pourrait quand même être une excellente leader, mais notre biaisage, nous ne permettrait pas de le faire. Les gens, souvent, parle d'un équilibre entre le travail et la vie personnelle, entre le travail et la vie personnelle. Comment parvenez-vous à cet équilibre entre la vie personnelle et ce qui te passionne? Parce qu'il est très difficile de maintenir cet équilibre. Comment peux-tu le faire? Excellente question. Je n'ai pas apporté de solution à cet équilibre que je recherche. Je tente de le faire. Ce que je fais maintenant est lorsque je me rends compte, lorsque je me sens coupable de quelque chose, je me dis sentir si coupable est quelque chose de très destructif et qui n'aide à personne. Je me sens coupable lorsque je suis au bureau. Je pense que souvent qu'au travail, je pense que je devrais avec mes enfants. Ce n'est pas utile de se sentir coupable tout le temps. Je suis consciente, je prends conscience de ce sentiment et une amie m'a donné un très bon conseil. Je me sens très, très coupable parce que je voyageais beaucoup. Mais pourquoi je voyage et j'abandonne mes enfants? Et elle m'a dit, mais tes enfants vont voir quelqu'un ils se seront très fiers de toi. Et ils diront plus tard, maman a fait ci, elle fait cela. Ils seront très fiers de toi. Ce que tu représentes pour tes enfants n'est pas toujours, ce n'est pas seulement par le biais de la présence physique, mais démontrant que le travail que nous déployons ne signifie pas toujours être en compagnie avec eux. Être en leur compagnie, pardon. Je ne me sens pas coupable lorsque je sors tôt de mon travail pour aller chercher mes enfants à l'école. Dans mon laboratoire, nous n'avons pas d'horaire. Nous travaillons quand nous pouvons le faire dans mon laboratoire, parce que c'est ça la vie. C'est la vie lorsque nous avons des enfants. Ma philosophie, est-ce que vous avez travaillé, peu importe à quelle heure vous le faites, vous pouvez le faire n'importe où à l'heure que vous choisirez, parce que nous sommes toutes différentes. Ceci, il est très utile de se tenir compte de tout cela. On ne peut pas s'occuper des autres sans si nous ne prenons pas soin de soi. Et nous avons de temps en temps me reposer, une journée libre. Je le dis, je me dis, je vais prendre deux jours pour accompagner mes enfants, une journée pour m'occuper de moi-même. Voilà ce que démontre la recherche. Les personnes qui se mesurent correctement elles-mêmes sont celles qui peuvent travailler le plus efficacement. Un grand nombre de femmes et aussi certains hommes connaissent déjà cette expérience. Ils se sentent coupables d'un côté ou de l'autre. On ne peut jamais être satisfaite avec ce que l'on fait à un moment donné parce qu'il y a toujours le biaisage de la culpabilité. Donc, cette réflexion est très importante pour nous et il me fait très plaisir de voir d'observer ta flexibilité et que tu puisses dire à un moment donné, il me faut reposer, il me faut me reposer et que tu es prête parfois à dire non, il faut savoir dire non parfois, de temps en temps. Donc, dans tes dernières diapos, tu as parlé de quelque chose sur le syndrome de l'imposteur. Je voulais que nous disions un peu plus long en quoi consiste le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu t'es senti imposteur? Comment obtenir ce changement? J'aimerais savoir si c'est quelque chose que tu ressens, si tu le ressens moins que d'autres. Qu'est-ce que tu pourrais dire à d'autres? Comment surmonter ce sentiment? Parce que c'est plus difficile. Ça se dit, c'est facile à dire, mais moins à faire. Quel conseil pourrais-tu donner à nos auditeurs?
Il y a beaucoup de recherches sur ce point. Les femmes et les gens ayant des identités minorisées, minoritaires, les personnes d'une autre race qui travaillent dans le système font silence elles-mêmes. Pendant bien des années, nous avons montré que nous ne devions pas être ici, ce n'est pas l'endroit qui nous correspond. Il y a donc un déséquilibre entre celles qui se sentent qui ont ce sentiment. Nous savons déjà ce que j'ai appris au cours des 4 ou 5 dernières années est que lorsque nous parlons avec, nous conversons avec ces personnes, nous nous rendons compte qu'elles font membre d'une chaîne nationale, qu'elles ont une excellente réputation, par pouvoir converser franchement avec eux et pour qu'elles obtenir, pour qu'on puisse nous dire de temps en temps, cela, je ne sais pas. Ceci nous ouvre les yeux. Nous avons tous eu ce sentiment à un moment ou un autre de notre carrière. Et je crois qu'avoir trop confiance en soi et croire que nous avons la réponse à tout est quelque chose d'extrêmement destructif, tout aussi destructif que de se sentir paralysé par le. It would have been harder to be honest with not knowing because you feel like people will discount you. They'll think, oh, she doesn't belong here. So. Que si nous disions je ne sais pas, alors tout le monde allait penser mal de nous et nous aurions le sentiment que ce n'était pas notre place. J'étais beaucoup plus muette auparavant, mais maintenant je suis capable de dire ça, je ne le sais pas, je n'ai pas d'idée de dont tu parles, explique-moi s'il vous plaît. Ceci est une expérience révélatrice pour faire face à ces problèmes. Intellectuellement, si nous paraissons être une personne qui, la science proprement dite, sont des personnes qui ont quand même leurs doutes, il y a des choses qu'elles ne sont pas. Nous pouvons voir plus loin et tout ceci fait partie d'un acte, d'un acte parce que nous sommes des acteurs à un moment donné. Nous sommes tous des acteurs, mais nous savons que nous avons des choses à apporter et que les apports des autres comptent, mais les nôtres aussi. Le syndrome de l'imposteur est un gros problème pour moi. Le problème ne disparaît pas complètement, mais nous savons le reconnaître et nous tentons de le laisser de côté. Donc, lorsque cet imposteur se présente, nous disons, je ne t'écouterai pas. nous devrons bientôt conclure. Une dernière question. Quel serait le conseil que tu aurais donné à toutes nos femmes collègues qui nous écoutent et qui est peut-être à la prochaine génération des femmes en matière scientifique? Quels seraient les conseils que tu aurais leur donné? Le commentaire le plus atteignissant, ce qui était le plus atteignissant pour moi, a été avoir un groupe de soutien. Mais si j'ai eu une mauvaise journée, cette semaine, j'ai eu une micro-agression au travail. J'ai fait l'objet de cette micro-agression. J'ai envoyé un texte à mon groupe de soutien. Immédiatement, elles ont compris ce que je voulais dire. Et vous ne croirez pas ce que viennent me dire. Je leur ai fait savoir cela tout de suite à mon groupe de soutien. Et voilà où entrent en fonction les principes féministes. Nous nous soutenons toutes les unes les autres. Nous sommes toutes importantes les unes pour les autres. Je dis, ne t'inquiète pas, c'est une expérience assainissante et m'ont appris à éloigner de moi ces sentiments, ces mauvais sentiments dont j'étais la proie. Donc, il faut avoir un groupe de soutien parce que c'est là quelque chose que nous ne vont pas obtenir toutes seules. Donc, il faut des mentors, des personnes qui nous soutiennent. Tous ceux que je connais qui ont su dépasser ces obstacles, ils nous diront toutes qu'ils ont eu un soutien permanent. Il faut être sincères les unes avec les autres. Et nous sommes fondamentalement sincères les unes avec les autres. Et ceci est très utile dans la vie quotidienne, dans nos activités. Merci pour ces excellents conseils. Cette conversation m'a semblé très intéressante. Je passe la parole à Isabelle. Merci. Nous sommes en conversation avec la docteure Tufan. Nous avons ouvert le microphone à notre public. Si vous avez commentaires, ouvrez votre microphone ou votre caméra. Vous pouvez envoyer ça par Slido. Si vous avez des questions,
des questions et des réponses sur la boîte de clavardage. Voici, pour moi, ça a été une grande intervention. Je vous remercie de tout cela. Donc, on choisit nos mentors. Et eux te choisissent parce qu'ils, ce sont eux qui te choisissent parce qu'ils voient en toi quelque chose qu'ils peuvent enseigner à d'autres. Pourquoi croyons-nous parfois que le contraire est véritable? Nous nous parlons des programmes. Oui, c'est vrai. J'ai connu de grandes périodes, des centaines d'auditeurs, et la relation a été dans les deux sens. Parfois, c'est moi qui dis au mentor, et je leur ai demandé de me donner un conseil ou un autre. Parfois, j'ai observé que les personnes font attention à la carrière ou à notre parcours. On s'approche et le mentor s'adresse à toi. Il voit peut-être quelque chose de spécial en toi. Dans le cas des femmes mentors, elles s'identifient parfois avec toi. Elles peuvent ressentir qu'elles veulent être la mentor d'une autre femme, étant donné mon expérience. Donc, il doit d'avoir donc une harmonie, une coïncidence, une compatibilité. Il y a un élément de compatibilité, d'intérêt commun et de suivi mutuel. Le mentorat joue un rôle critique. Comment s'organisent ces programmes, tous ces programmes? Voilà quelque chose sur quoi il faut réfléchir, parce qu'il y a plusieurs genres de mentors. Chez Cornell, parmi les élèves, nous n'assumons jamais qu'il voit un mentor comme un fait établi. Parfois, il est nécessaire de rechercher 3 ou 4 mentors supplémentaires pour telle ou telle matière. Ça peut être en matière de parcours de vie, et d'autres pourraient s'occuper des nécessités de chaque élève. Chaque mentor a une orientation différente, et nous prenons ce que tous nos mentors nous offrent. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je crois que c'est plutôt le groupe de mentors qui nous aident de façon différente. Sur Slido, nous avons plusieurs questions déjà. L'une d'entre elles est: comment pouvons-nous mettre en œuvre d'une façon systématique pour encourager une plus grande participation des femmes scientifiques en agriculture? Excellente question. Je vais mettre mon chapeau d'académicienne. Ce que nous ne savons pas avant de mettre en œuvre quelque chose, c'est que c'est là quelque chose qui devrait nous intéresser. Lorsqu'on pense aux femmes en matière de recherche appliquée, nous devons nous considérer comment et en quoi consiste cette expérience, en quoi consiste travailler, faire les travaux dans les champs. Voilà tout ce qu'il faut passer avant d'entreprendre une intervention. Des choses que nous connaissons déjà, la sécurité en main, le travail à la campagne, d'une façon différente, comment la planification anticipée, si une fille doit aller toute seule pour travailler parmi un groupe d'hommes qu'elle ne connaissait pas très bien, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a certains principes qui peuvent être appliqués en matière de sécurité fondamentale dans le travail. Dans les champs. La sensation, pour pouvoir se concentrer sur son travail, une femme ne doit pas se sentir menacée. Elle doit se sentir en sécurité lorsqu'elle prendra la parole. Donc, ce que signifie être présente en tant que scientifique? Dans le cas des femmes en matière agricole qui travaillent dans les champs, mon hypothèse est que c'est là l'un des plus grands obstacles auxquels nous faisons face. Nous n'en entendons pas parler beaucoup. Nous entendons des anecdotes, donc on se dit, ah non, celle-ci, ça passera, ça ira pas bien pour elle parce qu'on ne la laissera pas travailler. Nous ne devons pas travailler à la campagne avec d'autres hommes parce que son mari ne le permet pas de le faire. Il y a certaines coutumes et certaines cultures dans d'autres pays qui exercent une influence énorme, qui influent sur une question qui est la sélection de soi. Voilà un problème plus important de ce que nous imaginons. Donc, qu'est-ce que c'est les relations de pouvoir? Est-ce qu'elles sont particulières au genre ou le
ou ceci n'a rien à voir avec le genre. Et très bonne question. Je voudrais voir le visage de la personne qui m'a posé cette question, parce que c'est une très bonne question. Le pouvoir est un mot dont on se sert de plus en plus dans notre domaine et plus encore récemment. Donc, le travail se dilue. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque nous voyons d'un œil critique les systèmes, nous voyons un déséquilibre entre le pouvoir, ce qui fait la base de tous les problèmes, et le problème. Comment se servir du pouvoir? Qui a le pouvoir et comment l'exercer? Quand le pouvoir définitivement fait partie de tout ce schéma, dans la recherche en matière féministe, nous sommes sur qui détient le pouvoir, comment s'en sert-il comme il le fait. En matière de relations de genre et d'équité, jusqu'à les conversations avec le gérant ou le chef sont toujours des relations de pouvoir. Donc, quel rôle joue le pouvoir? Ceci est différent. Comment le pouvoir est-il ressenti? C'est une question très, très large, mais il me fait plaisir d'en parler parce que nous pouvons dire quelque chose. Si nous ne sentons pas que nous avons le pouvoir de parler, nous ne prendrons jamais la parole. Pouvoir parler est quelque chose que simplement pouvoir. C'est pour nous exprimer, est un aspect de cette question. Comment pouvons-nous parler de cette fraternité, cette sororité, collaboration en matière scientifique? Parce que c'est une ambiance très concurrentielle. Tout dès les premières étapes, je crois que tout dépend de l'institution. Oui. Comment nous structurons une institution. On m'a dit parfois, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais chaque institution a des différents styles d'embauche. Aux États-Unis, par exemple, il y a des institutions qui embauchent deux personnes avant qu'elles soient embauchées. Et on entend qu'il y aura concurrence entre ces deux personnes. Et finalement, après un certain nombre d'années, détenir le poste, le titre de la matière est une concurrence entre deux personnes. Donc, nous savons que l'une de ces deux personnes devra partir et l'autre obtiendra le poste plus élevé. Lorsque nous parlons maintenant, il ne s'agit pas consciemment d'embaucher deux personnes qui vont concurrencer, mais il devrait y avoir une assignation de ressources qui donne les mêmes opportunités à ces deux personnes et qu'il ne fera pas poser d'obstacles, de barrières. Donc, il y a des institutions où ne fait pas sentir aux gens qu'ils sont en train de concurrencer pour un poste. Mais il ne faut surtout pas les mettre dans une situation où vous êtes ici tous les deux, nous choisirons celle qui est le meilleur des deux. Malheureusement, ceci fonctionne dans un grand nombre de systèmes de santé. Je crois qu'il y a un grand nombre d'exemples d'exemples à éviter. Je crois que nous sommes à point de conclure notre intervention et quelques commentaires de conclusion avec des conseils à nous donner pour terminer. Je tiens à vous remercier tous toutes de votre participation et je crois que je ne crois pas que les catalysatrices du changement soient des personnes exceptionnelles ou qui aient eu beaucoup de chance. Non, je crois que nous sommes tous et tout à un même niveau. Il n'est pas besoin d'être exceptionnel pour devenir un leader. Voir quelque chose que nous possédons toutes, quelque chose à tout le monde, a quelque chose de très important à apporter. Et en même temps, il faut mettre en question les obstacles auxquels nous faisons face. Donc, je te remercie énormément au nom du docteur Bancover et la communauté de CIMIT. Je vous remercie énormément. Et encore une fois, merci, Khaled Toufan. Merci de partager cette conversation avec nous sur les défis à relever par les femmes scientifiques. Merci de tes conseils pour que les femmes deviennent d'excellentes leaders en tant que scientifiques, en tant que mères de famille, pour
obtenir le changement que nous recherchons toutes. Je remercie à tous ceux qui ont pris part à cette invitation. Nous invitons au prochain séminaire de catalysatrice du changement qui est le leadership en matière scientifique. Soyez à l'attente parce qu'il y aura encore d'autres séminaires dans ce domaine. Je crois que c'est un moment pour l'humanité où retirer les mines terrestres et planter de la vigne est un acte de la paix. C'est une mine terrestre et planter un arbre fruitier à sa place qui alimentera plusieurs futures générations. En plantant un arbre, nous contribuons aux séquestrations de carbone. Donc, quand ils pensent à tout ça, les personnes ne se consacrent à l'agriculture pour des raisons purement financières, comme le capital de risque. Ils s'anticipent parce que le maïs se sert pour faire le sirop de maïs. Donc, c'est un travail d'amour que nous devons toutes partager. Pour le monde mondial, le Dr Borlaug, l'alimentation est le droit moral de tous ceux qui sont venus au monde sur cette planète. En tant que consommateurs, nous commençons à mieux comprendre ce qui arrive dans les systèmes agroalimentaires. Nous commençons à exiger des systèmes agroalimentaires durables. Ça pourrait, par exemple, le même hamburger, mais il y a un bétail qui a été produit. Il y a tant de compagnies qui reconnaissent que les consommateurs ont besoin d'aliments plus durables. Ces compagnies ont fait des engagements. Vous en Brésil, nous le produirons et nous le fournirons de cette façon ou de la façon suivante. Puis les femmes, en tant qu'atelieratrices du changement impliquées, détachées, pour faire entendre des voix et des expériences diverses, pour donner des opportunités de financement et de mentorat, encourager une culture d'empowerment et d'acceptation de soi, pour développer une unité unique avec des capacités peu conventionnelles. Nous pouvons donner aux femmes l'empowerment nécessaire pour diriger leur destin. Si nos institutions et nos programmes continuent de créer des barrières contre les femmes, comment pouvons-nous attendre d'éliminer les femmes, les barrières auxquelles frappées par les femmes? Le message du Dr Borlaug était rejoindre mais pour accomplir sa vision, nous devons écouter les voix de ceux qui ne l'ont entend pas. Les femmes ont deux voix et pour entendre cela, nous devons construire des ponts entre l'amélioration des cultures et les sciences sociales, entre le laboratoire et le peuple. Nous devons regarder à notre intérieur pour demander nos questions, nos suppositions, identifier nos normes concernant le genre, ce que nous projectons dans notre travail et aux populations dans lesquelles nous travaillons. Prenez part à notre propre présentation de catalysatrice pour le changement.